Vie ma vie de coureur cycliste ultra, épisode numéro 5. On va parler de la première semaine d'entraînement de l'année 2023 au Mont Ventoux. Bonjour et bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je sais que c'est votre cas puisque vous êtes sur cette chaîne. Alors sans plus attendre, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Et dans cette vidéo, la cinquième de notre série Vie ma vie de coureur cycliste, je vais vous parler de ma première semaine d'entraînement de cette année 2023. Et j'ai de bonnes nouvelles, j'ai de bonnes choses à vous dire. Ça y est, j'ai repris l'entraînement après la reprise ratée du mois de décembre. Ça y est, c'est fait. J'ai enfin pu m'entraîner correctement comme je l'ai voulu, faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et pour vous dire tout ça, alors après je vais vous parler du Ventoux, restez bien, j'ai des choses à vous dire sur le Ventoux et plus sur Cyclisme Attitude. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en une semaine, donc la semaine du lundi 2 janvier 2023 jusqu'au dimanche 8 janvier 2023, j'ai fait plus que durant le mois de décembre complet. Donc ça veut dire que j'ai bien travaillé, j'ai fait plus de kilomètres, j'ai fait plus d'heures de vélo. Alors bien sûr, au mois de décembre, j'avais fait 2 séances de home trainer. Je n'ai pas fait 2 séances de home trainer, je n'ai fait que de la route. Mais pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai pris des notes pour être sûr de ne rien oublier. Alors je vous invite bien sûr à aller voir les épisodes précédent de notre série Vie de coureur cycliste. Mais par exemple, donc au mois de décembre 2022, j'ai fait en tout sur la route 132,9 km, donc ça fait un peu plus de 130 km, 6h27 de vélo, ce à quoi il faut bien sûr ajouter les séances de home trainer, 2282 mètres de dénivelé positif. Et lors de cette première semaine, sans compter la sortie du 1er janvier, c'était un dimanche 1er janvier, j'avais fait 40 km, et pour la semaine du 2 au 8 janvier, 138,8 km parcourus, 7h41 de vélo sur la route et 3101 mètres de dénivelé accompli. Vous le voyez, c'est donc une très bonne chose. 3 sorties, donc je reprends, cette semaine c'était 3 sorties, la semaine d'après ça sera, je pense, plutôt 4, et la semaine qui suit ça sera 5 ou peut-être 6 sorties. L'objectif du mois de janvier, c'est de dépasser la fameuse barre symbolique des 1000 km. On dit qu'on n'est pas compétitif si on n'a pas fait 1000 km. Et puis on dit que pour rester compétitif, pour rester en forme, il faut faire 1000 km dans le mois. Donc l'objectif, c'est de dépasser ça. Je pense faire un peu plus de 1200 km pour être précis. Je suis bien parti pour cela. Donc 3 sorties cette semaine. Je pense 5 la semaine suivante. Et puis après, ça sera tout le temps 5, peut-être même 6 pour rattraper le retard de la sortie hivernale. Mais pourquoi 3 sorties? Ça peut vous servir. Pourquoi est-ce que je n'ai fait que 3 sorties et pourquoi est-ce que je me suis tenu à seulement 3 sorties pour cette reprise? C'est parce que la saison va être longue. Ce n'est pas... La saison va être longue et la saison va être dure. Il faut donc tenir et ne pas se retrouver en méforme, ne pas se retrouver fatigué, usé à un certain moment de la saison, que ce soit en début de saison, ça peut arriver, que ce soit au milieu ou que ce soit à la fin de saison. Il faut être, entre guillemets, à 100%. En tout cas, il ne faut pas être en méforme, il faut être en forme tout le temps. Et pour cela, c'est vrai, il faut s'économiser. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des sorties à basse intensité. J'ai repris avec une sortie, pour être précis, de 47 km 220. Donc ça fait une sortie d'un peu plus de 45 km, 826 mètres de dénivelé en 2h19. Et puis, ça c'était donc le mardi 3 pour faire une coupure entre le dimanche 2 et entre le dimanche 1er janvier et le mardi 3. Je voulais pas faire 2 sorties de suite lors de ma reprise, puisque j'ai commencé, j'étais sur le vélo, et les vidéos sont sur Cyclisme Attitude, je vous invite à aller les voir. J'étais sur le vélo donc le 1er janvier, le dimanche. Et donc 47 km pour cette sortie, 2h19 seulement, à basse intensité. La sortie 2, c'était le mercredi 4 janvier, donc là je pouvais me permettre 67 km 900, donc ça fait un peu plus de 65 km, un peu moins de 70 km, 986 mètres de dénivelé positif, 3h24 de sortie, toujours à basse intensité, donc une vitesse moyenne de 20 km/h tout rond. Waouh, j'ai réussi à me tenir au mois de janvier, je n'y arrivais pas.
Vous savez, je vous avais dit, au mois de décembre, pardon, je vous avais dit, j'essaie de faire 20 km/h de moyenne, pas plus. Là, je regarde ma moyenne pour vraiment être à basse intensité. C'est très important de ne pas commencer l'entraînement sur les chapeaux de roue. Ce sont les courses. Si vous avez des objectifs en début de saison, ce sont les courses qu'il faut commencer sur les chapeaux de roue. Mais sinon, il faut être à basse intensité, en tout cas tranquille. Je vous laisse voir ça avec votre entraîneur. Et puis, la troisième sortie. Alors, pour cette deuxième sortie, j'ai tourné plusieurs vidéos sur le vélo et j'ai dû faire plusieurs prises. Donc en fait j'ai fait plus de 4 heures en tout de sortie, mais seulement 3h24 à pédaler. Et donc 3h24 m'a permis de faire 20 km/h tout rond de moyenne. Et puis la sortie numéro 3, donc la troisième sortie, c'était le vendredi 6 janvier 2023 à 11h11 du matin. Donc 23 km 73, donc 23 km 730, c'est la distance entre Bédouin et le Chalet Reynard. Vous allez me dire, mais comment? Le Mont Ventoux, ça fait 23 km. Oui, mais pour les besoins du tournage, j'ai dû monter et descendre plusieurs fois certaines portions du Mont Ventoux. Et donc, ce qui fait que les fameux 15-16 km et un peu plus entre Bédouin et la barrière du Mont Ventoux, eh bien, j'ai fait 23 km 730, c'est-à-dire plus de kilomètres que ce qu'il faut pour monter de Bédouin au Mont Ventoux, du kilomètre zéro. Je vous invite à voir d'ailleurs la vidéo du résumé complet. Une autre vidéo va suivre pour voir l'intégralité de la montée. Et je vous invite à voir dès maintenant le résumé complet de cette ascension du Mont Ventoux du vendredi 6 janvier sur Cyclisme Attitude. Donc, 1289 mètres de dénivelé positif, 1h58 à pédaler, donc 1h58 enregistré sur le vélo, mais 2h22 en tout. Donc voilà, donc c'était l'objectif, c'était de monter le Ventoux. J'ai beaucoup aimé cette montée du Mont Ventoux par Bédouin. C'est une montée qui est régulière à partir du fameux virage de Saint-Estève. Et j'ai beaucoup aimé cette montée, même si j'ai dû parfois m'arrêter, repartir, tourner un peu en rond pour refaire les prises pour Cyclisme Attitude. Je reviendrai au Mont Ventoux. Alors j'irai à Malocène, mais je le monterai aussi par Bédouin pour l'entraînement, parce que c'est une montée, c'est vrai, qui m'a bien plu. C'est une montée régulière, j'en connais des beaucoup plus difficiles, mais celle-ci, c'est vrai, elle m'a bien plu. Je vous invite à voir la vidéo. Le dernier kilomètre du Ventoux, c'est le titre de la vidéo sur Cyclisme Attitude. Cyclisme Attitude, c'est une vidéo tous les jours à 18h, une longue vidéo, en tout cas de 5 minutes ou plus. Et puis tous les jours, bien sûr, ce sont des vidéos short, c'est-à-dire les vidéos de moins de 60 secondes, entre 1 et 60 secondes. Ça peut être plusieurs fois dans la journée. Donc je vous invite à vous abonner à Cyclisme Attitude, à abonner les notifications. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager avec d'autres passionnés de vélo, et je vous dis à très vite. On se retrouve très vite pour parler du changement. Donc on va parler de matériel de vélo, on va parler du matériel, on va parler de vélo, de choisir son vélo, quel vélo choisir, combien de vélo avoir, etc. Mais on va d'abord parler de quelque chose en particulier. Je vous dis à très vite, bonne route et gardez la cyclisme attitude.